Je peux dire que je l'aime, je peux dire que je l'admire, et en même temps, c'est quelqu'un de totalement insaisissable. Je crois que on peut pas le décrire, on peut pas le dépeindre. Il échappe à toutes les lois, à toutes les règles, à toutes les normes, à toutes les idées qu'on a de la danse, du théâtre, de l'être en mouvement, de l'être théâtral. Il est quelque chose d'autre. Pour Life, j'ai rencontré Jean par hasard dans un cours de danse où il donnait la leçon. Il voulait me présenter des élèves et je lui ai dit, mais je voudrais prendre un élève, c'est le professeur, c'est toi. Et ça s'est fait vraiment dans des circonstances incroyables puisqu'on partait pour New York dans quelques jours. J'ai dit à Jean, je t'emmène. Il me dit, j'ai pas de passeport. J'ai dit, bon, on va en trouver un. Et puis il est venu à Bruxelles. On n'avait aucune idée. Et puis tout d'un coup, j'ai vu la structure métallique qui nous servait de bar. Elle est encore là dans le studio à côté. Et on a dit, on va travailler avec ça. Et Jean a commencé à s'amuser, à grimper, à tourner, à bouger avec cette structure. Le jour de la générale avant la première, il s'est trouvé chose très rare que la générale avait bien marché et qu'il nous restait du temps. À New York, le temps sur scène est très strictement limité. Et j'ai dit à Jean, tiens, il nous reste trois quarts d'heure. Est-ce qu'on ne pourrait pas, pour voir de quoi a l'air le ballet sur scène, passer une fois live? Il m'a dit d'accord, il monte de la salle, il monte sur scène et il fait live, c'était une merveille. C'était une perfection, c'était prêt. Et j'ai dit, mais Jean, on le donne demain à la première? Il me dit, oui, oui, d'accord. Et le lendemain, je suis venu devant, parce qu'il y avait un programme imprimé, et je suis venu devant le rideau, dire qu'en supplément du programme, on donnerait en création mondiale, live, avec Jean Babilé. Et après le spectacle, je revois Jean dans sa loge, la porte s'ouvre et rentre Baryshnikov, et il se met à genoux devant Jean, qui était sur une chaise comme moi maintenant, et il lui dit, je n'ai jamais vu danser comme ça. J'avais pu danser à New York depuis une vingtaine d'années. Et ça a été vraiment la surprise pour moi et pour les gens qui m'avaient vu il y a 20 ans. Je dis, comment, bah lui, il danse encore. Et ça a été vraiment un bonheur total. Ensuite, ce live, je l'ai dansé plusieurs fois, je l'ai beaucoup dansé.
Maurice a eu la délicatesse un jour de me téléphoner, longtemps après, en me disant « Voilà, un tel danseur demande que l'on redonne Life, il demande de danser Life, est-ce que tu m'y autorises ?» Je lui ai répondu non. Personne ne l'a jamais redansé.